Ah, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos comme d'habitude, hein, maintenant vous en doutez. Qui dit vendredi dit ouverture rétro, et pour l'occasion on va se faire 3 boosters différents. Un appel des légendes, un tempête plasma et un diamant perle tempête. Au début je voulais faire qu'un tempête, mais finalement je me suis dit non allez, on va y aller, et du coup le petit carapuce il est content. Ok, non, bah, j'ai foiré, c'est pas grave. Voilà, il est content. Attendez. Voilà, j'adore. Donc on va juste faire un petit tempête plasma, vu que j'ai pris 2 Lugia, bon, on va prendre un Lugia. Le diamant et perle. Alors, il me semble qu'on a beaucoup de... c'est noctu noir, hein, c'est ça. Bah du coup, on va prendre un noctu noir. Voilà, on va prendre un noctu noir, tac, tac, tac. Et donc l'appel des légendes, souvenez-vous de ce display, on l'a bien tourné. Et on n'est toujours pas tombé sur une légende. Donc moi je veux... je sais même pas quel côté. Je sais pas. C'est... Ah, Lugia. J'adore Lugia, donc on va prendre Lugia. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et puis voilà. Donc on va faire... on va terminer avec Tempête. On va commencer avec Plasma. Du coup, voilà, on va faire par ordre d'ancienneté. Donc, allez, on est parti. Donc, avec le petit booster Tempête Plasma, je vous mets derrière au cas où vous voulez lire. Vous pouvez faire une petite pause. Voilà, et on est parti. Du coup, j'en profite pour vous dire, si jamais les ouvertures rétro vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Au moins, je saurai que, du coup, je peux les continuer. Parce que sinon, bon, je vous avouerai qu'il faudrait peut-être trouver un autre concept. Bon, en attendant, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaît toujours, et pour l'occasion... Voilà, pardon. Allez, on est parti. Fermite, Bicyclette, Lucario. En plus, c'est bien parce que là, on se fait des séries qu'on voit pas souvent. Nénupio, Chakripan, Wistikram, trop mignonne. Magnéti, Charpentier. On y va doucement, vous voyez, c'est tranquille. Evoluroc en reverse, et on termine... Non! Oh non! Mais qui c'est qui va partir à PCA? Bah oui, mais c'est toi, et pour une raison toute simple, c'est qu'on l'avait déjà, mais qu'elle avait un petit pet à l'avant. Et celle-ci, elle a rien. Je veux dire, elle est clean. J'espère juste maintenant que du coup, j'ai pas une saloperie à l'arrière. Attention! Si, elle a un point blanc. Ah, elle en a 2. Bah, c'est pas grave, je m'en fous. Celle-là, elle part à PCA. Ah, je m'en fous, elle part à PCA. C'est une série que j'adore, c'est un Pokémon que j'adore. Je viens de voir que le cadrage était pas super terrible. Mais c'est pas grave. Donc, on va la laisser comme ça de côté pour le moment. Je suis super content, franchement, ça commence trop fort. Déjà, hier, c'était une ouverture de dingue. Là, ça commence direct avec une FA. Voilà, il manquerait plus. Allez, là-dedans, on a une légende et c'est bon pour moi, c'est réglé. Pour moi, c'est réglé, quoi. Oh là là, oui, donc dans celui-là, il n'y a pas de code. Donc, 1, 2, 3, allez, pour le fun, au cas où, tac, et c'est parti. Allez, double boule. Pff, non, mais s'il vous plaît, quoi. Ouais, même lui, il est d'accord. Donc, Donphan, méthode d'entraînement du prof Orme. Goupix. Attendez, je vais me mettre comme ceci, peut-être, voilà. Sac de nœud, Mélofée, Teddy Ursa, Pomme de pique. Ah, Jirachi en holo. Ok, nickel, parfait. Et du coup, normalement, il n'y a pas de légende. Quand il y a une holo, il n'y a pas de légende. Et on termine avec un roux carnage en rare reverse. Bah écoutez, parfait. Bah alors là, ça va faire double protection pour les deux. Parce qu'en plus, la série est quand même assez ancienne. Allez, on va faire ça comme ça. Tac, on commence avec la roux carnage sous protection. Puis la Jirachi holo. Bon, donc ça veut dire que dans le display, il y a toujours les légendes qui traînent. Voilà, donc ça traîne toujours dedans. Donc écoutez, bah voilà, hein, il faudra qu'on tombe dessus. Bon, au pire, ce sera d'ici. Et du coup, on va déjà terminer. Ouais, ce sera vraiment une ouverture très rapide. Demain, j'en profite. Demain, pour le On vous fait plaisir, je pense qu'on va rester sur du Soleil et Lune sous blister. Donc on vous offrira de nouveau, bon, ce coup-ci pas deux, mais un booster. Je sais pas encore ce que je ferai comme vidéo avec. Peut-être une présentation de série, je sais pas. Ce sera peut-être une présentation de série, ouais. Donc ce sera donc de nouveau un booster Soleil et Lune pour vous. Je mets ça au cas où vous voulez lire. Voilà, vous pouvez mettre pause. D'ailleurs, je viens de réaliser ma connerie. Je ne l'ai pas fait sur Appel des légendes. Voilà, tac, vous pouvez mettre pause.
Hop, on peut jeter. Du coup, voilà, alors, ah oui, merde, je sais, faut que je fasse attention en ouvrant celui-là. Du coup, voilà, donc je pense qu'on se fera une présentation de série. Et puis voilà. Donc, et un petit booster pour vous. Voilà, et puis lundi, vous n'oubliez pas. Zut. Oui, non, c'est du 3. Et lundi, vous n'oubliez pas, donc c'est la deuxième journée du Chaos vs Desi. On espère d'ailleurs que ce concept vous plaît. Parce que nous, voilà, on se dit que ça peut être vraiment pas mal à faire. Donc allez, on est parti avec un Dracaus. Regardez-moi cette illustration, elle est trop belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Un électrode qui s'est perdu dans la montagne. Le pauvre, il n'a rien à faire ici. Infect, la carte elle est trop dark, elle est énorme, j'adore, franchement j'adore. Onyx, bon là c'est peut-être la carte que j'aime le moins là, jusqu'à présent et puis dans cette série. Bon, c'est pas grave. Hein. Moufouette, ouais bon. Magikarp, alors celle-là j'adore par contre, elle est vraiment space, j'adore. Franchement j'adore. Ouais, salut. Oui, ça a klaxonné dehors mais... Pikachu, elle est trop mignonne, celle-là elle est vraiment belle. Ah, celle-là elle est jolie, franchement ouais, elle est jolie. Tac, on enchaîne, Drabi. Tranquille, ouais, bon, il est posé, je sais pas, il guette la petite fleur là à côté, voilà, il attend que ça pousse. On enchaîne avec un Voltorb. Ah, elle est belle, franchement, elle est super jolie, ouais, elle est vraiment belle. Et on terminera du coup cette ouverture, non, non, avec un Archéodong, pour moi c'est Archéodong. Donc voilà, bah écoutez, bah c'est parfait, hein. Oh, c'est nickel. Bah, on peut pas gagner à tous les coups non plus. Je veux dire, bon, ça, je mettrai sous protection après. On peut pas gagner à tous les coups non plus. Mais bon, quand on voit ce qu'on a eu. Donc, la petite roue carnage en rare... elle est pas holo, donc en rare reverse. La Jirachi en holo qui est magnifique. Puis alors là, franchement, Articodin FA. Articodin UX FA. Pardon, du coup, bah, je suis vraiment super content. Celle-ci, je pense qu'elle partira à PCA, parce que je vais voir si je peux vous montrer, en fait, la carte dont je parlais. Attendez, je vais faire ça comme ça. Ah bah oui, merde, elle est dans le classeur des doubles. Bon bah c'est pas grave, celle-ci en tout cas elle ira à PCA, ça c'est clair. Attendez, j'arrive pas à refermer la Pokébox, voilà. Donc celle-ci elle ira à PCA, on peut être super content de la pioche quand même, c'est parfait. Franchement c'est terrible. Ah, je suis vraiment content. C'est pas la Draco Feu Secrète parce que je rêve de tomber dessus, mais l'Articodin, c'est un Pokémon que j'adore. La carte, elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment top. Bon, bah écoutez, bah voilà. Vas-y. Moi, je suis franchement super content. Hier, on a eu quelque chose. Aujourd'hui, on a quelque chose. Demain, on aura que dalle puisque finalement, demain, voilà, ce sera peut-être une présentation de série, comme dit. Et lundi, je battrai Desi. Ah, ça, c'est clair et net. Puis dimanche, n'oubliez pas, vous avez aussi son display à elle qui était bien cheaté, mais vraiment bien cheaté. Enfin bref, voilà, bah, j'ai tout dit. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si vous voulez continuer de voir les ouvertures rétro. On se fera d'autres séries toujours aussi vieilles, parfois plus vieilles, parfois moins vieilles. Un petit mélange aussi de quelques petites séries comme aujourd'hui. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais super content d'avoir vos retours parce qu'on vous écoute, ne l'oubliez pas. Et on vous répond aussi à tous quand c'est possible. Quand le net répond bien aussi. du coup, bah voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait, bien entendu. Moi, je vous dis donc à demain. Profitez à fond de votre journée, de votre soirée, de votre nuit. Joyeux Noël, joyeux Thanksgiving, joyeux anniversaire à tout le monde. Et puis voilà. Bah, écoutez, profitez à fond de votre passion et à demain. Allez, salut à tous.